Bonjour tout le monde, vous êtes avec Yvonne. Yvonne qui est... Bon. C'est bien, vous connaissez la leçon. Amour, psychologie, je suis à votre écoute. Votre prénom rime avec la ville d'où vous appelez. Et je vous prends au téléphone. Allô, qui est en ligne? Allô, bonjour. Yvonne est bonne, c'est Lily de Paris. Bon, Paris, ah, j'en ai connu des Parisiennes. Ah, des Parisiens, oui. Enfin bref, les gens, on a le short, le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, je vous appelle, hein, oui. Parce que je dois me marier. En septembre? Oui, exactement, le 19 octobre. Très bien, je crois qu'on a touché, le gros lot. Donc, vous devez vous marier et... Et forcément, j'y passe. Mais c'est bien normal. Oui. C'est bien normal, quand même. Alors, une amie me disait de ne pas oublier que l'homme étant par nature inquiet de ses performances sexuelles, il ne faut pas oublier de le lui faire savoir. Oh, quelle a raison. Oh, combien elle a raison, mais vraiment raison, et mille fois raison. Il faut exprimer des marques de plaisir. C'est pour ça que j'appelle, parce que je ne suis pas sûr de savoir le faire. Attention, Lily de Paris, c'est très délicat, c'est très précis. D'accord. Si vous le voulez bien, faisons un essai. Oui. Imaginons, je suis votre fiancé. Oui. C'est chaud, c'est de plus en plus chaud. Vous faites quoi? Je ne sais pas. Eh bien, il faut gémir. Comment vous dire? Imaginez, vous mangez... Qu'est-ce que vous aimez manger? Ah, moi, ce que je préfère, c'est les raviolis. Bon, et imaginez que vous en mangez des raviolis. Vous en mangez, Oh. Allez-y, vous mangez des raviolis. Oh, là, vous mangez. Bon. Vous les avez dans la bouche, là. Allez. C'est bon, hein? Oh, c'est bon. C'est pas je mal. Je dirais pas les raviolis. Non. C'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Et de temps en temps, vous sentez que vous en avez trop mangé. Vous voyez? Alors... Non. Vous en avez beaucoup trop mangé. Ah non, stop. Vous respirez. Allez-y, respirez. Bon, je me resserre. Très bien, quel boulet, quoi. C'est bon. Voilà, et tout d'un coup... Tout d'un coup, c'est bon. Griezmann vient de marquer un but. Allez, on y va. Griezmann a marqué un but. Ah oui, là, on sent que vous allez venir. Ah, parce que je suis pas là. Ta gueule, ne coupez pas, en plein plaisir. Ah, bon, ça se précise, vous êtes nu, il est nu. Qu'est-ce que vous vous dites? Hein? Qu'est-ce que vous vous dites? S'il est nu et que je suis nu, oui. Je me dis, ça m'étonnerait pas qu'il cherche à coucher avec moi. Putain, bien vu, on se régale. Ouais. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Alors, des fois je suis fatigué quand même de faire cette émission. Et là, donc là, on fait l'amour? Oui, mais putain de merde, à poil, comme ça, un garçon et une fille sur un lit, vous croyez qu'ils font quoi? Des crêpes? Hein? Non, bien sûr, ils veulent se lâcher, ils veulent se démonter, ils veulent se décapsuler, Qu'est-ce que vous êtes énervé quand même? Écoutez, vous vous mariez le 19 octobre, maintenant il faut pas traîner. C'est bon, je serai prête, pourvu que j'en trouve un. Un quoi? Eh bien, un mari. Attendez, vous voulez vous marier, vous avez pas le type? Ah non, moi d'abord j'organise tout, l'église, le repas, le menu, l'hébergement. Quand tout est organisé, je le trouve. Hein. Yvonne? Allô, Yvonne, je ne vous entends plus. Ça va, Yvonne? Oui, ça va, super. J'ai juste pris un gros coup de bambou. Ah, là, moi, voyez. C'est mon rêve d'en prendre un coup de bambou. Bon, écoutez, Lily, voilà ce qu'on va faire. Au standard, on va vous donner les numéros de téléphone des deux grosses radios nationales qui nous concurrencent. Vous appelez maintenant, en direct, et vous leur racontez tout pareil, d'accord? Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui morflent. Oui. Voilà, c'était Yvonne qui est... Bon.